J'ai un autre garni que j'ai fait avec Olivier Sioux. Elle s'appelle Mrs. Bunny, avec son chapeau, avec ses fleurs. Waouh, c'est très joli. Ah. Your turn, Sioux. I'm just watching someone else's life go by, wishing it was mine. Everybody has them at the start. Somewhere along the way they fall. Un petit massage. Ça fait du bien. Bonjour. Et qu'est-ce qu'il y a devant mon hôtel? Ceci. C'est plutôt pas mal ça. Par contre, c'est petit, hein. Comment est-ce que tu fais pour rentrer par la fenêtre? Non mais c'est surtout que regarde, c'est un truc 4 places, enfin 2 rangées, donc on peut limite être assise dans le véhicule, mais par contre c'est vraiment que pour une personne. Ah non, ça remonte ça. Hein. Mais même, tu sais pas mettre vraiment là-dedans. Ouais, il y a tout qui remonte. Oh, ça m'ira. Il y a tout qui remonte. Ouais, ceux qui sont intéressés par ce beau 4x4, c'est un Rotkin de la marque... Ah, de nouveau, Road Trip Camping. Hein. Ouais, Road Trip Camping, mais hôtel. Ouais, il y a tout qui remonte, vie. Ouais. Bah, je pense, oui. Je sais pas. Si, si, regarde. La cellule complète remonte là-bas au-dessus. Tout ça nous donne envie du camping-car. Ouais. Aujourd'hui, ce matin, Virginie, qu'est-ce qu'il est prévu? Ben, aujourd'hui, c'est notre dernier jour officiel ici, à Sokcho. Et donc, nous allons retourner un peu voir la mer. Nous allons... alors, il y aurait un marché. Vous vous rappelez, il y a quelqu'un qui avait demandé à voir les marchés. Il y aurait un marché, mais c'est un peu un piège à touristes. Mais bon, ça n'empêche qu'on va aller voir. Voilà. Vous vous rappelez, l'autre jour, j'étais en train de réinscrire les filles à l'école à la maison en Belgique. Et en fait, une petite nouveauté pour ceux qui ont 6 ans. Ils demandent un plan individuel de formation. Et si c'était demandé avant, mais je mettais juste dans les grandes lignes ce qu'on utilisait et ça suffisait. Ici, ils sont un peu plus exigeants. Ils demandent vraiment un plan avec mois par mois, ce qu'on va faire et en quoi ça correspond aux attendus. Et me voilà avec une tâche de travail que je n'avais absolument pas prévue. Je dois envoyer ça pour le 20 septembre. Et donc, je suis en train de regarder un petit peu à gauche, à droite. J'avoue, j'essaye de trouver d'autres qui l'ont fait pour m'en inspirer, pour avoir plus facile. Donc voilà, parce que moi, je l'ai toujours fait un peu au feeling. Et au fait, on a toujours appris beaucoup plus que ce qu'ils apprenaient à l'école. Donc, je n'avais pas vraiment de soucis par rapport aux attendus. Mais là, comme Yoko, elle apprend depuis le début tout en anglais, il va falloir quand même que j'adapte un peu plus, que ça colle un peu plus avec le programme belge. Et donc voilà, ça c'était une mauvaise nouvelle pour moi hier. Et donc là, je suis en train de regarder un petit peu ce que les autres font. C'est quoi ça? De quoi ça? C'est quoi ça? C'est ma chaussette qui sèche. J'ai mal évalué les distances par rapport aux vagues de la mer. Donc j'ai réussi à mouiller le pied. Qu'est-ce que ça? Ça ramène sa montre. Ah ouais. Voilà. Elles sont énormes. Elle est belle? Oui. Jill, si j'ai pas compris le truc, non seulement on paye, mais en plus on doit faire avancer nous-mêmes le bateau. Ouais, c'est pas... c'est bien à faire ça, mais c'est plus dur que ça ne le paraît. Ouais. Non mais c'est lourd en plus, hein. On doit se porter avec 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 personnes à 4. En tout cas, c'est la première fois que je prends un bac où je dois faire tout moi-même. Waouh, il brûle bien aujourd'hui, hein. Comme ça, vous connaissez mon opinion sur l'instant qui va se dérouler maintenant. Je n'aime pas les marchés. Je n'aime pas me balader autour des étals, à devoir regarder les aliments, les poissons. Ça ne m'intéresse pas, ça ne m'a jamais intéressé. Et je n'aime pas les marchés en général. Il y en a qui aiment bien, il y en a qui aiment bien se balader à travers les odeurs. Je me m'allonge parce que je couille et je vous parle en même temps. Mais t'as pas fini de râler. Non, je râle pas, je dis juste que je n'aime pas les marchés. Et ça fait 18 ans, non ça fait depuis le début de ma vie que je n'aime pas les marchés. Je n'ai jamais aimé les marchés en fait. Les marchés c'est le dépaysement, les marchés c'est les odeurs, c'est les couleurs, c'est la population locale, c'est l'ambiance. Non, je n'aime pas les marchés. Il y a plusieurs raisons. C'est déjà que tout est trop bas pour moi. Donc je me mange ma tête dans tout ce qui est tonnelle, poteau. Non, ce serait pas le moment. Mais c'est. Et puis j'ai toujours ce sentiment d'avoir l'obligation d'acheter. Et puis voilà, je râle parce que je n'aime pas les marchés. Regardez-moi un petit peu ces pyjamas coréens. Je suis fan. Je pense que les filles aussi, hein. Ouais. On achèterait bien tout le magasin. Moi aussi, je veux bien tous les pyjamas coréens du monde, mais après, ça coûte cher quand même. Et puis ici, on est quand même dans un marché touristique, donc les prix sont un peu plus élevés. Attention de pas faire tomber, hein. Ça, c'est pour Benoît. Ah, que bon. Moi j'ai pris aux légumes, c'est très très bon. Bon c'est un peu gras quand même. Ici c'est un endroit parfait pour vous montrer les deux types de crabes qui existent. Le crabe royal, il est énorme, donc ma main est déjà grande, il est quasiment ma taille de main. Et le crabe araignée. Ils sont tout aussi grands, mais les pattes sont quand même beaucoup plus fines. Mais bon, j'ai pas une fois rattrapée par ça quand même. Il est énorme. J'aimerais pas les croiser dans la mer. Hein. Bon, je râle un peu moins parce que tout est à hauteur. C'est pas un marché couvert comme en Asie du Sud-Est où vous avez des grosses tonnelles et tout ça. Ici, j'ai de la place pour mettre ma tête. On se croirait dans les serres du château de la Haken. Dans les serres du château de la Haken. Aujourd'hui, nous retrouvons la famille royale que nous rencontrons en pleine promenade dominicale. Le jeudi. Ah, alors ça, ceux qui se souviennent de notre voyage en Corée, le tout premier jour à Hamdong, on avait rencontré un Coréen qui nous avait offert... C'était plus des comme ça. Ouais, des comme ça. Non, oui, des comme ça. C'était des comme ça. Délicieux. Ouais. C'était une bonne première découverte de la nourriture coréenne. Et franchement, c'est bon, c'est bon. C'est le mal. Donc cette balade, enfin non, ce tour de marché, je pense, doit se transformer en balade gourmande parce qu'il y a trop de choses à manger. J'ai pas cherché l'argent, il n'y a pas d'argent. Comme par hasard. C'est une stratégie comme une autre pour ne pas dépenser d'argent, c'est de ne pas en avoir. Et évidemment, quelque chose que j'ai envie de vous avouer, c'est que je n'aime pas le poisson. Enfin si, j'aime bien le poisson, mais le poisson dans tous ses états ne m'intéresse pas. En fait, ce que je n'aime pas, c'est ne pas savoir ce que je vais manger. Et donc je ne mange pas. Alors, c'est uniquement de la bouffe. Il n'y a quasiment pas de vêtements. Pas d'accessoires de mode. Alors je me dis tiens, il y a une petite file ici, je vais aller goûter ça. Je sais pas trop c'est quoi. Alors je me dis, mais c'est pas grave, je vais mettre de la file, je vais mettre ici. Et en fait la file, elle va jusque là-bas au fond, on va aller voir. Hop. Hello. Ah. Ben voilà, je suis dans la file. Et je sais pas du tout ce que je vais goûter. Mais c'est une salle dédiée à ça, hein. Regardez, il y a les... Qu'est-ce que c'est que ça? Et je crois que Il a l'air connu en plus pour ça. Hein. Bon bah écoutez, je fais une file. On verra bien. Moitié de file faite. À ce stade-ci, il y a deux choses qui me turlupinent. La première, qu'est-ce que je vais acheter? Est-ce que c'est bon? Mais s'il y a une file, c'est que c'est bon. Et la deuxième chose, c'est que ça fait au moins un quart d'heure que je suis parti et Virginie ne sait toujours pas où je suis. Et donc elle va commencer à se turlupiner aussi. Elle va commencer à se poser des questions. Bah, il est où Benoît? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il n'est pas encore là? Mais quand elle va savoir que j'ai fait une heure de file pour aller chercher un petit truc à manger... Ça me prend du temps. Ah bah ouais, je sais pas, ils vendent quoi? Je sais absolument pas. Regarde un peu ce que ça vend. D'accord. Un espèce de fromage. Un espèce de quoi? De fromage. Mmh. Ouais. Ça a l'air bon ou pas? Ouais, ça a l'air bon. Ça vaut la peine de prendre la file? Je crois. Bon bah tu vas dire à maman où est-ce que je suis. Ouais, maintenant elle va râler. En attendant que Benoît fasse la file pour avoir je ne sais pas quoi. Je ne sais même pas pourquoi il fait la file. Je crois que c'est une espèce de fromage. Je ne sais pas. En tout cas, il est parti depuis super longtemps. Et nous, on a déjà commencé à manger. Et il encore, on a mangé. Je vais en laisser un petit peu. Ouais, il va en goûter? Bah oui, juste un petit carré. Difficile, hein? Et donc voilà. Alors, l'objectif, c'est d'arriver à le manger sans casser le parapluie. Qu'il ne reste que le parapluie dessus. Je pense que c'est impossible. Bref, petit compte rendu du goût. Olivia. C'est un mélange entre la barbe à papa sous forme de caramel avec du biscuit. Une petite touche de café quand même dedans. Ouais. Biscuit, caramel, barbe à papa, voilà, vous mélangez tous les goûts et puis vous avez ça. je ne sais pas si c'est très clair. En tout cas, je sais que c'est bourré de sucre et que c'est hyper calorique, mais c'est plutôt pas mal. Merci. Go out, everything is clear. When the lights go out, I could finally see. Bon, ça, les 45 000 de... Est-ce que c'est cher d'abord? 5 000, 3 euros. Ça va. On est bon. On va attendre 5 000 parce que c'est chaud. Waouh, c'est chaud. Allez, je me porte volontaire. Du pain, c'est du pain avec ouais, c'est pain haricots rouges. On y est arrivé, presque. Et le petit bout là, c'est un peu cassé, c'est moi qui l'ai cassé, ça va exprès, mais personne ne compte. Vas-y, mange. Bon, on s'est trouvé un espace avec Erco, donc on est dans le frigo du frigo. Ah ouais, ici tu peux manger un friture ici. Les fameux poissons séchés. C'est bien parce que comme j'aime pas les marchés, je me suis trouvé une activité, c'est de vous montrer le marché que je n'aime pas. Je me dis pourquoi pas, au final. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Du poisson séché. Alors, en fait, ce que je n'aime pas, c'est aborder. C'est quelque chose qui m'horripile. Dès qu'on m'aborde, c'est le nom de base. Du poisson séché. De la viande marinée, une marinade, du poisson séché. Je me suis goûté une fois du poisson séché. Ouais, je vous laisse goûter. En fait, je me suis toujours demandé, mais comment est-ce qu'elles font? Parce qu'elles sont 5 ou 6 avant le récit du poisson séché à faire leur beurre. Elles sont 7 à vendre la même chose l'une à côté de l'autre. Mais tu dois quand même regarder ton voisin, ce qu'il vend, et tu dois te rendre compte que... je sais pas comment ça fonctionne. Alors on voit plein de monde partir avec des caisses, et en fait ce sont des caisses avec du poulet. Voilà, ça c'est tendance ici. On se croirait à la boucherie Remans. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la boucherie Remans, c'est la boucherie qui est accolée à l'Aldi en Belgique. Alors ce qui est tendance actuellement aussi, c'est ceci. Les tempura. J'avoue qu'on n'a fait que manger depuis tantôt, donc on n'a plus vraiment faim. Pourtant, ça donne envie, hein. Les kimbaps. Hello. Ah ouais. Ah, c'est le rayon de la bouffe, hein, il est midi et demi. Ah tiens, vous savez ce qu'on n'a pas encore revu? C'est du chien. Je n'ai pas vu dans ce marché-ci. Mais j'ai vu qu'il y avait quand même de moins en moins. En Corée. En Corée. Mais normalement, il y en a encore dans les marchés. Mais là, je n'ai pas vu. Pourtant, j'ai regardé à la boucherie, je n'ai pas vu non plus de morceaux de pâtes. Ouais, bah non, c'est pas toujours. Ils sont pas obligés de mettre la viande de manière visible avec la tête et tout le bazar. Hein. Ça peut être prédécoupé. Hein. Toi, quand tu vas à la boucherie, tu vois pas la vache. Hein. C'est la même chose. Ah, zéro pour Virginie. Ah, c'est quoi ça? Champignons. Enfin, une sorte de champignon de bébé. C'est tout ce qui est médecine traditionnelle ici. Racines. Épices. Vieux os. Billes d'animaux. Et alors chez nous, nous avons un problème familial. Nous avons laissé le morceau de pain à Olivia là, dans son sachet. Et ce sachet ne fait que diminuer en taille. Et donc on dit à Olivia, hé, attention, on veut être 6 à manger de ce pain là. Mais en réalité, chaque fois que je la vois, elle a une bouchée en main. Olivia, montre un peu la taille du pain. J'ai pris une bouchée. Oh, 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 oh. C'est bon? Ouais, c'est bon. Bon, moi, mangez pas, mais bah, donc maintenant, je ouais. Moi, on n'attend pas que ça sèche. Montre-moi tes deux oreilles. Deux. Ouais. Combien le berlingot il a d'oreilles? Deux. Ok. Est-ce que j'ouvre le berlingot? Oui. Par les oreilles. Pas bouger, tourne-le. Papa ouvre. S'il te plaît. Comment on boit? On boit par les oreilles. Try your best to hold on to the rope. We all have a reason to let go. And it's easier to do. But it's better if we don't. Après avoir pris le petit bateau ici, nous sommes arrivés à un haut lieu du géocaching de Sokcho. À savoir, il y a une cache. Même ailleurs dans la ville. Mais la dernière fois que quelqu'un l'a cherchée, il ne l'a pas trouvée. C'est une micro. C'est un spoiler et le spoiler montre le dessous du pont. Le dessous de quoi? Le dessous du pont. En dessous, là où on est. Okay. Mais pas exactement. Une micro, c'est une toute petite. Bon. Ça existe toujours, elle est là. Laissez passer Jill. Je l'ai! Ah! Ouh. Elle est poussiéreuse, hein? Bon, vive les indices. Sans les indices, sans les photos d'indices, on n'aurait jamais trouvé. Elle va l'ouvrir. C'est les logbooks, mais ils sont remplis les logbooks. Ça y est, nous sommes de retour dans notre frigo. Et on a eu chaud, très chaud. Ouais, donc on a fini par trouver cette fameuse géocache, qui a d'ailleurs fait naître quelques frictions dans la famille, parce que le problème c'est que tout le monde a envie de la trouver, tout le monde a envie de la remettre, et évidemment c'est pas possible, parce qu'il n'y a qu'un objet à remettre. Bref, je ne vous ai pas encore parlé de ceci. Ceci, je l'ai acheté au Japon, et il y a exactement la même chose ici en Corée. Ce n'est pas la même marque, mais c'est la même chose, ce sont des lingettes déodorantes. Alors, Peut-être que ça existe chez nous, mais je n'en ai jamais vu et je trouve ça mais génial. Parce que pour ceux qui, comme moi, dès qu'on a un petit coup de stress, se mettent à transpirer, parce que oui, moi ça m'arrive quand j'ai un petit coup de stress, ça marche super bien, c'est génial. Ça permet de se nettoyer et en même temps de remettre une petite couche de déo. Pour tous ceux qui ont parfois des petits coups de chaud pendant la journée, voilà, je sais pas pourquoi il n'y a pas ça chez nous. S'il y a ça chez nous, dites-moi où on peut trouver ça, parce que franchement, voilà, je suis devenue une grande fan. Aujourd'hui, c'est notre anniversaire de mariage avec Benoît. Ça fait 14 ans qu'on est mariés. Et pour fêter ça, on mange vietnamien. Voilà, un mélange de petits trucs. Alors, il faut savoir qu'il est 3h22 de l'après-midi parce qu'on a tellement mangé au marché qu'on a reporté l'heure du repas. Donc on a pris pas trop pour un peu compenser parce qu'on soupe à mon avis dans 3 heures. On a pris un assortiment de spring roll et le banh mi. Oh. Il a l'air bon, hein? Ah oui, il a l'air beau. Et un banh mi avec plein de coriandre comme je l'aime bien. Bon, opération dîner en ville. C'est une petite référence cinématographique, celui qui l'a. Spy Game, non? On a sorti toutes ces ouailles, celle-là. Avec Papa Doudou. Avec Papa Doudou. Et nous allons manger, ben, là où on était chercher le sandwich vietnamien. Parce que c'était super bon. Et j'ai envie de remanger là-bas. Il est 18h. Il fait super bon. En fait, si vous venez en Corée, ne venez qu'à partir de 18h. Voilà, vous arrivez de 18 vers 22, vous êtes bien. Attention aux moustiques. Et c'est notre dernier jour ici. Parce que demain, nous allons à Séoul. Nous avons quelques cases à cocher à Séoul avant de pouvoir partir. Parce que mine que rien, les jours s'égrènent. Il reste quoi? On est le 11, on part le 16... Il nous reste 5 jours complets. Ah, même pas. Le 12, le 13, 14, 15 et le 16. Mais le 16, c'est une journée spéciale à l'aéroport. Donc je dois recalculer 11, non, même pas le 11. Le 12, le 13, le 14 et le 15. Il nous reste 4 jours complets sans devoir... 4 jours complets, dont un jour demain qui est déjà prévu pour retourner à Séoul. Donc il nous reste 3 jours complets en Corée du Sud. Eh, c'est plus tellement grand chose, hein? En même temps, vous faites le chemin avec moi. Je reprends la caméra une seconde parce que je viens de repenser également en commentaire que nous avons reçu. C'est bien un feu et pas un faux. Et je sais pas pourquoi je dis un faux, mais c'est un feu. Et un petit bonjour amical, extraordinaire, à un de mes meilleurs amis que je connais depuis mes 16 ans, donc ça fait maintenant... C'est calcul ton âge. Oh merde. Ouais, plus de 20 ans que je le connais. Chi et Tuong, qui ont un restaurant de faux à Charleroi, en Belgique, qui s'appelle de feu, ouais, de feu, à Charleroi, en Belgique, qui s'appelle le pot au feu. C'est une dédicace parce que nous allons manger un feu ce soir. Voilà, et si vous êtes en Belgique et vous cherchez à goûter cette saveur vraiment typiquement vietnamienne, cuisinée par une vietnamienne, je vous invite à aller au pot au feu. Chez Chi Tuong, voilà. Bonjour vous deux. C'est délicieux. Non, non, c'est même mieux que délicieux. C'est délicieux, c'est délicieux. Non, délicieux, c'est pas assez gros comme adjectif. C'est vraiment délicieux. C'est incroyable, c'est ultra gourmand, c'est parfait. C'est pour ceux qui aiment la culture vietnamienne, c'est le top du top. Je répète, le pot au feu à Charleroi, en Belgique. Le meilleur restaurant où vous mangerez le meilleur feu de Belgique, voire même de France. Salut vous deux. Alors, je vous prouve d'abord qu'on a pris 2 cafés. Un froid. Un chaud. Parce que oui, nous sommes quand même différents avec le café. Ouais, moi j'aime bien le froid en journée, mais le soir j'aime bien un chaud. Pourquoi? En fait, il y a une raison très simple. C'est que oui, j'essaye de diminuer quand même un tout petit peu ma consommation de café. Et le fait qu'il soit chaud fait que je le bois beaucoup plus lentement. Et donc, ça permet que j'en boive moins le soir. Alors, je sais pas si ça marche vraiment, hein, mais j'en bois un peu moins. Et merci maman de nous avoir rappelé notre date de mariage. Elle t'a envoyé un message? Elle m'a envoyé un message, comme chaque année. Comme chaque année, elle est là pour nous le rappeler, mais cette année, on n'avait pas oublié. Non, cette année, on était avant toi, maman. Ah, petit changement. Ben, on l'a pas fêté non plus, puisque enfin, fête, mariage, c'est comme Saint-Valentin, enfin, bref. Voilà. Elle n'est pas contente. Je n'aurais rien à rajouter à cela. Tu es en Corée. Tu es en Corée. Joyeuse fête. Joyeuse fête, non. On sent qu'elle n'est pas contente. Je t'offre 14 les plus belles années de ta vie et tu n'es pas contente au final. Je t'offre aussi les 14 plus belles années de ma vie et tu n'es pas contente. Non, et aussi on n'est pas dans le mood parce que là on est vraiment dans le mood préparation pour les Alpes. Et ouais, effectivement, je ne suis pas un bon élève, je ne suis pas quelqu'un qui est très fête d'amour et tous ces trucs-là. J'ai d'autres choses à faire. J'assume et j'avoue. Ouais, je n'aurais rien à rajouter. Voilà, vous vous rappelez de la fête des pères, voilà, même créneau. Même créneau, même... Tiens, au fait, les 14 ans de mariage, c'est quoi comme fête? C'est la fête du cuivre ou un truc comme ça? J'en sais rien. 14 ans, mais je sais qu'il y a un nom pour chaque année. Moi, je sais qu'on dit qu'il y a toujours des années charnières et c'est tous les 7 ans. 7, 14. Non, c'est 6 mois, 7 ans, 14, ouais. Eh ben, on appelle les 14, c'est bon. Je sais pas, la journée n'est pas finie. Ah, décalage horaire Belgique, si. Ah, la vidéo sort dans 3 jours. Oh. Ah oui, ça sera fini. Ça sera fini. Écoutez. J'ai chaud, j'ai chaud. Il fait super chaud ici dans la pièce. Ouais, en fait, ce qui m'ennuie aussi, c'est que mon café est bloqué. Parce que mon téléphone est sur le café. Et donc là, je dois choisir entre vous et le café. On sent la frustration. Non, mais en fait, il fait super chaud dans la pièce. Je ne sais pas combien de degrés il fait. C'est des grandes verrières. Et je pense que ça a pris le soleil toute l'après-midi. Et donc, il fait très chaud. Et il va être temps d'aller mettre ses petites filles au lit. Ouais, parce qu'aujourd'hui, on a de nouveau bien marché. J'espère que vous aviez voulu voir un marché. On vous a trouvé un marché. Ouais. Vous avez découvert que j'aimais bien les marchés aussi. Moi, j'adore les petits marchés provençaux. Moi, j'aime bien aller me balader au marché, même à Namur, le samedi matin. Moi, je vous souhaite, quoi qu'il arrive, une bonne fin de journée. Mais je vais pas récupérer mon café. Attends, regarde ce qu'on peut faire. Ah, on peut jouer au Mikado. Et voilà. Ah, t'as réussi à prendre le tien, mais c'est pas bien, ça tombe. Attends. Bonne soirée. Attends, si attends, on peut continuer la discussion. Pourquoi est-ce qu'on continuerait pas? Mais attends, si je laisse le carton. Si je prends le café sur le carton. Ciao. À demain. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et pourquoi pas de nous rejoindre sur Patreon. Le prochain épisode y est déjà disponible.